Ça y est, nous allons enfin découvrir que bah je suis allé un peu trop loin déjà. Nous allons enfin découvrir le grand cimetière. Oh là là. Save. Et je vais marcher en fait. Je vais. Allons explorer le sud. Avec la grande porte, bon je pense que la porte doit s'ouvrir. C'est quoi? Vers le lit des mendiants, ouais. Donc là. Oh putain de saleté de zombies, putain. Ils m'ont fait flipper! Putain, vrai que j'avais le casque, ils ne sont pas trop forts, mais j'ai entendu le bruit, je me suis dit. Oh putain! Ouais, et j'ai sérieusement flippé. Oh, un petit neuf. Non, mais tue déjà un zombie, surtout ce zombie. Putain, il n'y a qu'un zombie faible. Le reste est assez important. Ouais. Non, mais vas-y, il y a 5 agonisants là. Regardez bien ces textures incroyables. Regardez ces magnifiques zombies. Zombies qui ont inspiré ceux de Resident Evil, je le rappelle. Surtout que c'est un pur anachronisme parce que ce jeu est sorti après 2000. Oh là là. Ils ont sans doute inspiré les Resident Evil mais d'avant quoi. Voilà. Ouais mais il y a des tombes. Est-ce que je peux profaner des tombes? Oh, ce serait tellement bien. Oh non, des ennemis sont proches, je me barre. Non mais ils sont où tes ennemis là? Ils sont morts, non, mais non, mais. Non, mais non, mais non, merde! Il y avait un zombie, deux zombies qui étaient cachés. Très bien. Ah, c'est horrible! Ah, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Ah, mon dieu. Allez. Si pendant cette session j'arrive au moins à terminer cette partie si j'arrive à terminer le nid des mendiants, ce serait tellement génial. Je pense que je vais abuser par contre d'une autre technique équivalente à celle de l'abus de sauvegarde pour manipuler la RNG. Ça va être de rentrer dans un endroit et de me reposer. Je crois que je l'ai déjà fait ce petit tour de passe-passe. Vas-y, même avec 10, il meurt pas. Putain, et moi, je suis sérieusement blessé. Putain, et j'espère que c'est les trois derniers, ceux-là. Est-ce qu'un zombie me portait quelque chose? Parce que j'aimerais bien un drop dans l'immédiat. Putain, l'araignée qui me fait chier et qui avait au moins 60, voire 100 points de vie. Et mais j'ai fait une save comme un con. Qui avait au moins 60... Allez, une centaine de points de vie, j'ai pas compté, mais je compterai si je peux. Non, j'ai pas envie de compter, qui est un sac à PV, et je pense que ce sera pas le seul, qui avait quoi 100 points de vie, qui me rapporte que 91 points d'XP. Oh la vache. Oh là là. Ah, j'ai trouvé un coffre, ça doit être le concierge. Y a rien là, non, c'est un mur. Putain, il y en a un là. Il y en a deux même. Bon, un peu de combat ne fait pas de mal, et puis ça me fait un peu d'XP. Et l'XP dans ce jeu est important. Non, pas lui en premier, voilà, move. Ensuite, tu t'attaques au deuxième zombie. Le zombie faible, il est pas important dans l'immédiat. Est-ce que vous entendez les petits craquements? C'était mon chausson. Et merde, j'ai move. Faut pas move, il faut rester où il faut. Ah, c'est lui qui me fait chier, par contre, là, ça va pas le faire. Voilà, 19 points d'XP. Et aucun drop. Par contre, il y a une maison, je vais y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Note. Un mur à bout de bras. Un indice, ça. Il y a un mec qui crie. Il est où? Il est où? Ouais, ils sont combien? Zombies faibles, très bien. Je vais essayer de les attirer assez loin pour éviter que le monde rapique. Dédale de... des damnés. Oh non, il y a un dédale. Ça veut dire que c'est un endroit obligatoire. Donc je vais sortir du cimetière, je ferai le dédale plus tard. J'en profiterai aussi pour faire les petites quêtes secondaires que j'ai accumulées.
Et parce que les quêtes secondaires, ça rapporte de l'XP. Ce n'est pas négociable. Un dédale. Punaise, est-ce que je vais en baver? Bon, toujours pas de drop. Un drop, peut-être. Putain, regardez-moi ce héros, le charismatique héros. Ok, on voit pas son visage, mais il a une putain de masse d'armes. Je dirais que pour l'instant, j'ai une partie qui est assez bien faite. Oh putain, faut vraiment que j'augmente mon intelligence. J'aurais dû faire ça en début de jeu. On continue d'explorer. Ok, le dédale des damnés, c'est ça. Je ferai ça un autre jour. Même plus tard, je contourne. Des zombies. Putain, 4 zombies. Mais attaque, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire là pour. Oula. Oula, par contre là, je me suis pris un 7 de dégâts. Je me suis pris. Oula, elle a un. Alors là, par contre, ça sent la grosse mort de merde. Ouais, non, ça sent la grosse mort de merde, ça. Non, c'est la grosse mort de merde, ça. Voilà, qu'est-ce que je disais. Ce que je pensais. En même temps, 4 zombies, et puis c'est pas des zombies faibles, c'est des zombies, eux. Je m'y attendais. Donc, du coup, je sais que là, il y a des zombies. Ah, je vais quand même les faire. Et ensuite, je retournerai au nid des mendiants. Je finirai... les quêtes secondaires et je pourrais m'attaquer au dédale des damnés. Des damnés, putain, je sais pas comment dire. Je sais pas comment prononcer si damné ou damné. La furtivité d'un ninja. Enfin, la furtivité d'un ninja. Attaque par derrière. 4. Ok. 5. Oh putain, tellement de dialogue là sur ce qui se passe. Si j'arrive au moins à en buter un seul, ce serait tellement bien. Il est agonisant, tu le fais un truc. Voilà. Ok, strat de pauvre. Enfin, strat de merdeux. Là. C'est parti pour abuser du changement de zone. Avec de la chance. Alors. Il y a un petit pourcentage, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a un petit pourcentage, une très légère chance que les ennemis aussi changent de zone en même temps que moi. Alors ça arrive des fois qu'ils ouvrent des portes, qu'ils tombent sur des pièges, mais qu'ils les désamorcent aussi. Mais il y a aussi des fois où ils peuvent passer les zones. Tu le vois lui, ma ninja. Allez hop, sérieux blessé. Vas-y, je me prends déjà 12. À eux deux. Comment ça se fait que j'attaque lentement? Voilà. Et non, en fait, c'est lui qu'il faut battre. C'est lui, je te dis. Allez, il agonise, là, il agonise. Voilà, il fallait le tuer, le pauvre agonisait. Non, c'était... Il fallait le tuer, le pauvre Vélara. Mais je lui passe la masse d'armes dans le corps, je lui mets 4. Ce jeu n'a aucune logique. En même temps, c'est un donjon et dragon. Et moi, j'aime les donjons et dragons. Enfin, non, c'est pas un donjon et dragon, c'est un forgotten realism. La réalité oubliée. On oublie vite la réalité avec ce jeu, c'est vrai. Allez, plus d'XP. Oh, faudrait que je passe la barre des 17 000 d'XP. Voyons. Bon, je pense que là-haut, il n'y a rien. Ouais. Donc, les damnés, je ferai ça une autre fois. Ah, putain de caméra. Oui, donc, putain, pourquoi ça s'est éclairé en rouge? Pourquoi c'est rouge, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Un bug, sans doute. Ça n'était rien. Bien. La save. Et je sors. Voilà. La porte est fermée par une barre de l'autre côté. C'est pas vrai! Voyons. Est-ce qu'il faut
Faire tout le tour, c'est pas vrai. Et là, on est reparti pour une ellipse à tout de suite. Bien, nous revoici. Et nous allons continuer, nous allons finir d'explorer, même pas continuer à explorer tout cela. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, je vais faire le mur. Et une porte, bon, je pense que c'était pour quelque chose. Des barriques. Un sort, très bien. Endurance aux énergies. Si, c'est ça. Endurance aux énergies destructives et de la bière. Putain, mais la bière. Merde, j'ai quitté la map. Faut pas ça. DPO. Un cadavre. Et là, il y a une zone avec un zombie. Je suis un zombie. Ouais, mais le zombie, il est derrière la barrique. Ouais, Tommy, il y avait pas une porte là-bas? Ah, je l'ai passé, j'ai pas fait attention. Ah, mais je peux passer derrière. Ok, il y a un petit chemin. Les bruits de mouche. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Une barre, putain. Une barre. Oh, le plan trop grand. Putain, non, j'aime pas quand les plans ils sont petits comme ça. Voilà, intermédiaire, les plans. Bon, vu qu'il y a du zombard là-bas. Vérifie que là, j'ai rien oublié. Très bien. Marche silencieuse. Solid snake is in the place. Il y en a un, je vais essayer de l'avoir. Lui. J'ai à peine cliqué et la musique s'est enclenchée. Ah là là. Ah là là. Ah là là, c'est la bite. Ah là là, c'est tellement la bite que c'est en train de ramer. Ah là là. Ah là là. Oh, oh putain. Oh là. Non, 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 non. Monsieur l'arbitre, non, 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 vous êtes gentil, monsieur l'arbitre, mais non, mais n'exagérez pas. On n'est pas dans le Resident Evil. Oh putain. J'ai réussi à ramener le nombre de zombies à combattre à 2. Pour le moment. Putain, mais non, mais vous avez vu combien ils étaient là? Ils étaient au moins une armée. Shinji Mikami, sors de ce jeu, s'il te plaît. Le combat le plus long du monde. Regardez bien ce zombie, il est magnifique. Il fait le même pas que moi. Magnifique esquive. Il se tourne aussi. Oh là là, c'est la fin, c'est dommage. Et il meurt. Bon, je vais me reposer. Des ennemis sont proches, merde. Merde. Ah voilà. Et je continuerai à les combattre. Tu sais, genre mourir. Bon, je suis déjà mort plein de fois, mais voilà quoi. En fait, j'en parle pas parce que. Je parle pas parce qu'il y en a à dire, mais en fait, là, je vais dire un truc qui va peut-être être. Pas intéressant, enfin plus intéressant. Oula, il y a un coffre pour moi, mais j'ai bien fait de péter mon micro. Oui, parce que en fait vous ne le savez peut-être pas, mais mon micro casque ne marche plus là. Donc là vous me demandez peut-être comment je fais pour enregistrer ma voix. J'utilise un micro fixe que j'avais rangé, je ne sais plus où, que j'ai retrouvé je ne sais comment. Et bah en fait il va super bien. Il va même largement mieux, j'ai l'impression que la qualité de voix est un peu mieux. Enfin, voire même meilleur. Mais c'est quoi ça? Eh, on est dans une tournante de zombies, c'est ça? C'est ça, on est dans une tournante. C'est moi au milieu, c'est les autres qui m'ont mettre plein la gueule. Safe strat. Strat de la survie ultime. On entre. Dans l'entrepôt, ouais. Et on se soigne. En fait, entrer dans une zone, ça enlève le fait que vous vous êtes dépensé. C'est ça qui est bien. Et ça fixe, et ça fige, pas ça fixe, ça fige. Bah non, ça lui fige les ennemis. Enfin, ça fige les ennemis dans le temps, et dès que je reviens, oh là là! C'est comme si j'étais encore là. Enfin, je me comprends. C'est un peu dur en fait à expliquer.
C'est les dès que j'entre dans une eau, les ennemis se figent. Mais dès que je reviens, ils sont toujours en mode agre-gre-gre-gre, il s'est passé une seconde. Alors, est-ce que je vais... Oh, je vais peut-être... Non, je vais pas passer la barre des 17 000 points d'XP. C'est dommage. C'est vraiment, franchement dommage, en plus. Ouais, il me reste toute la partie ouest, après, je ferai les quêtes secondaires. Et à moi, l'XP, le fric et le pognon. Putain, allez, il en reste un. Je vais le rejoindre. Oh putain, puis en plus, regardez, il est bien de dos. 3 de dégâts. C'est dégueulasse, messieurs. Oh, mais il était faible. Oui, c'est bien ce que je pensais. Un drop. Non, pas de drop. Ah, il y avait un coffre, non? Oui, c'est bien, j'attaque les coffres. Baguette d'énergie négative. Oh, ça, il me semble que j'en avais une. Baguette d'énergie négative, ouais. Je peux les mettre ensemble. Même pas examiner, vite fait. Bah, je vais essayer cette arme, tiens. Je vais essayer cette arme pour le lol. Du coup, je vais sortir. 25 charges, d'accord. Je sais même pas combien ça se vend. Ah bah tiens, regardez. Hop, je m'équipe. Non mais... Ah oui, d'accord. Vous voyez à quel point c'est de la merde. Allez, vas-y, je continue. D'accord. Ok. Je n'avais pas lu. Donc du coup, en fait, alors je sais pas si vous avez vu. Je vais finir ce combat. Voilà. En fait, je vais essayer de remonter. Voilà, baguette d'énergie négative, zombie récupère. Ouais, c'était ça. C'est pour récupérer de la vie, en fait, cette daube. Par contre, là, je vais revenir tout en bas, s'il te plaît. Sur ma fiche de dialogue. Oh, saloperie. Saleté, le nom de Dieu. Saloperie. Voilà. Tout en bas, s'il te plaît. Voilà. Ah, ça me... Ah non, mais je ne comprends pas. Donc, c'est de la merde. Et il considère toujours qu'il y a 44 charges. Ouais, donc, j'ai utilisé trop fois. Donc, le jeu est mal codé, voilà. Donc, en fait, je te vire. Et je vais les vendre. Je pense que c'est la meilleure des choses. Oh là là. Qu'allais-je faire? Ouh, par contre, là, il y a beaucoup de matos. Il y a même un tonneau que je ne peux pas voler. C'est un zombie, regardez, il est chauve! Ça se reconnaît! C'est un zombie, je n'ai rien contre les chauves. Non, Mickey. Eh merde, il a appelé son pote le zombie. Et son autre pote le zombie. Il a crié, j'en étais sûr. Putain, attaque d'opportunité qui est passée! Qu'est-ce que c'est que cette daube? Qu'est-ce qui se passe? Je laissais regarder l'arme, elle fait on dirait qu'il fait un jet de lumière l'arme. C'est tellement beau. Et moi j'aime quand c'est beau. Allez, 10, bouffe. Putain, par contre là ça va être le combat des... pas un combat d'affaires, mais un combat de celui qui aura moins de vie possible. Un combat de mort. Ah bah voilà. Est-ce que j'ai dépassé les 17 000? Oui, j'ai passé la barre des 17 000 points XP. Faites péter le jus de pomme. Je ne bois que du jus de pomme. Et là, regardez, on va encore plus le faire péter en brûlant des victimes. 25 points gagnés. C'est comme ça qu'on fait. Il y a une porte par... What? Ah, d'accord. Ah!
Ah ah, 3. Oh là, oh là, là. Oh, c'est drôle ça. Mettre des choses devant un cadavre. Marcus? Non. Non. Marcus? Marcus? Ah! Ah! Bon, je prends son or. Ce journal intime est celui d'un jeune mage appelé Marcus Longplume. Son existence n'est guère pas science, mais dernière... Ah voilà. Je me cache comme les autres afin d'échapper au fléau. Mais ces pitoyables zombies ne m'inquiètent en rien. Mon frère m'attend au sanctuaire consacré à Home, au nid des mendiants. Mais je ne le rejoindrai pas. Il y a enfin un vrai combat à mener. Oh! Oh mon... Ah, mais je peux l'utiliser? Oh putain. Ah merde, faut que je l'identifie. Ah, par contre, là, ça va être long. Ah. Ah, oh là là là. Ah là 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 là. Ah là là, il faut que je retourne au temple de Dôme. Ah, je suis désolé, c'est une histoire de mort là. Ah non, puis ça me fait une quête.